EcoCampus, structure de transfert issue de l'Université de Bordeaux, visant à travailler sur les problématiques de performance énergétique des bâtiments. Donc très en lien à la fois avec le monde de la recherche académique de l'université et puis aussi des projets concrets menés avec des maîtres d'ouvrage pour déployer des méthodos, des solutions innovantes issues de l'université. La structure a commencé en tant que structure à exister au début des années 2000 et s'est développée petit à petit à travers une petite équipe, 5-6 personnes, jusqu'en 2009. Des premiers projets menés avec Novatech, on voit qu'il y a des valeurs communes, une volonté de travailler ensemble, des beaux projets réalisés. Et en 2009, Novatech souhaite s'installer en capitale de région, à Bordeaux, et donc se rapproche naturellement d'EcoCampus pour voir si un rapprochement est possible. Et c'est faisable. Une fusion en 2009, donc les équipes, la petite équipe, 5-6 personnes, intègre Novatech. Et ça permet de donner une nouvelle ambition à cette équipe-là, en gérant des nouveaux projets collaboratifs, des projets européens, des belles réussites. Et puis ça permet à Novatech de s'installer en capitale de région pour donner une nouvelle visibilité, un nouvel essor. Et depuis maintenant 10 ans que la fusion est effective, une belle croissance, il y a environ 25 salariés sur le site maintenant à Tadence et de beaux projets réalisés.